Un multimillionnaire prend officiellement la tête du Trésor américain. Steve Mnuchin a notamment pour objectif d'entreprendre une réforme fiscale pour faire baisser les impôts. Il a reçu hier l'aval du Sénat avec l'une des plus faibles majorités de l'histoire pour ce poste, 53 votes pour et 47 contre. Ancien dirigeant de la puissante banque d'affaires Goldman Sachs, cet homme de 54 ans fut le directeur financier de campagne de Donald Trump.